On dit souvent qu'il n'est pas facile d'être le fils d'un grand homme. C'est la question qu'on peut se poser en lisant la réédition des mémoires de Philippe de Gaulle, qu'on appelle souvent l'amiral de Gaulle, et qui est encore de ce monde et qui vient de fêter à la fin de l'année 2021 ses 100 ans. Les éditions Plon, donc, qui avaient édité deux volumes qui s'appelaient « Mémoires accessoires », ont été reprises dans la collection Bouquins, un volume beaucoup plus simple, mémoire comme titre moins réducteur, où on y suit le parcours de Philippe de Gaulle, jeune officier de marine engagé dans la France libre, homme d'une extrême discrétion et qui fut pendant longtemps sénateur de Paris. Bref, on y apprend plein de choses et puis Philippe de Gaulle a fait profiter de sa collection privée de photos cette édition. Donc il y a des cahiers photos magnifiques avec des photos pour la plupart totalement inédites. Lisez donc les mémoires de Philippe de Gaulle dans la collection Bouquins Lafont.